Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des absurdités et autres débilités qu'on voit dans les offres d'emploi. Alors oui, actuellement, on nous parle d'un taux de chômage record encore, hein. Et donc, nombre d'entre vous vont sûrement être confrontés à la recherche d'un emploi. Et alors donc, on va commencer avec des débilités qu'on peut avoir que si on va chez Pôle emploi, avec les offres d'emploi qu'on reçoit de temps en temps, hein, et auxquelles on est obligé de postuler, sinon on est radié. Et généralement, il y a toujours deux cas de figure avec ces offres. Alors dans le premier cas, il y a celles qui ont, mais alors strictement, rien à voir avec les critères de recherche que tu as donné au conseiller la première fois que tu le vois pour remplir ton dossier. Alors donc, par exemple, on dit clairement qu'on recherche un métier dans la restauration, hein, et tu vas recevoir des annonces d'électricien ou de peintre en bâtiment. Alors, la première chose que tu fais, tu le signales au conseiller, évidemment, et lui, tout ce qu'il trouve à te dire, oui, bien sûr, mais enfin, vous savez, vous pourriez postuler quand même, hein, sur un malentendu, on sait jamais, hein, vous pourriez être pris. Alors donc, soit tu fais un effort et tu postules tout en sachant que tu vas te prendre un gros vent, donc tu perds ton temps. Soit tu te dis, bon bah ça sert à rien, je vais pas postuler. Et là, le conseiller va te dire que tu fais pas d'effort et que tu cherches pas. Et donc, il va chercher à te radier par tous les moyens. Et alors, il y a le deuxième cas, où là, tu reçois des offres qui te conviennent, c'est dans le secteur que tu cherches, hein. Mais c'est à 300 ou 400 km de chez toi, tu vois. Donc là, évidemment, tu vas le dire aussi au conseiller. Et la seule chose qu'il te trouve à te dire, c'est « Oui, je vous comprends, mais vous savez, dans le secteur, il n'y a pas ce qui correspond à vos critères de recherche. Donc, postulez quand même, et puis, au pire, si vous êtes pris, il faudra de toute façon envisager de déménager. Hein. » Et là, franchement, le premier truc que tu as envie de lui dire, c'est « Ah oui, mais c'est toi qui vas payer mon déménagement, trou du cul !» Attends, c'est quand même logique que quand tu es au chômage, tu n'as pas forcément les moyens de te payer un déménagement, puis tu vas pas forcément trouver non plus un logement comme ça en claquant des doigts. Et alors, il y a un truc qu'on voit aussi assez souvent, et généralement, ça, c'est le truc qui me fait rire, c'est dans les emplois saisonniers. C'est un job de 2 ou 3 mois, et bien souvent, t'as des types qui te demandent une super qualification et plusieurs années d'expérience. Bon, par exemple, si ils cherchent à la limite quelqu'un d'opérationnel dans un grand truc, hein, style un resto, les conneries comme ça. Et quand c'est dans une petite baraque à frites, je sais pas moi, pourquoi on veut que t'aies un CAP cuisine et 5 ans d'expérience? Franchement, à quoi ça sert? Par exemple, ça, je l'ai vu, des fois, quand tu fais des recherches d'emploi, hein, pour, par exemple, faire la plonge dans un petit resto. Allez, la plonge, faire la vaisselle. Donc, on veut que t'aies un CAP cuisine et minimum 5 ans d'expérience pour faire la plonge. Attends, y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire la vaisselle, quoi. Quand même. Et alors, ce truc des années d'expérience, c'est quand même incroyable. Parce que t'as beau postuler dans plusieurs boîtes, t'es systématiquement refusé pour la même chose, manque d'expérience. Mais attends, comment tu veux pouvoir prouver ce que tu vaux si on ne te laisse même pas faire un petit essai pour faire tes preuves, quoi? Et alors le truc qui te fait rager dans ce type de refus, hein, c'est quand tu vois que l'annonce reste d'actualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même un an. Oui, ça je l'ai vu en vrai. Le recruteur a laissé l'annonce un an, hein, tout simplement parce qu'il trouvait pas de candidat qui correspondait à ses critères de recherche. Résultat, les autres employés se tapaient un paquet d'heures supplémentaires parce qu'il y a un gugus qui disait « Non, personne ne me convient ». Je sais pas, mais dans ces cas-là, au bout d'un moment, tu te remets en question et puis tu revois un peu tes critères de recherche. Je sais pas, moi. Tu laisses faire un essai à quelques candidats, au moins. Parce que peut-être que le mec, il a pas les critères, mais ça se trouve qu'il dit qu'il bosse pas bien, le mec. T'en sais rien, tu l'as même pas vu à l'œuvre. Et alors, ce coup de l'expérience, hein, ça vaut aussi des fois pour des métiers pas faciles, mais bon, qui requièrent pas non plus d'avoir une grande expérience, quoi. Attends, même par exemple, pour être technicien de surface, il y en a qui te demandent un CAP en maintenance, entretien, je sais plus quoi, là, et 10 ou 15 ans d'expérience. Attends, pour ramasser 2 malheureuses feuilles de salade qui traînent et passer la mop dans les allées d'un supermarché, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en génie civil, quand même. Et alors après aussi, on voit certaines annonces où il y a un âge minimum, voire un âge maximum requis. Alors par exemple, t'as des annonces où il faut avoir au moins 25 ans, et on te demande donc l'expérience en relation avec ton âge. Mais toi quand t'y vas, tu peux pas l'avoir parce que t'as été refoulé de partout pour manque d'expérience. Et alors si t'as plus de 45 ans, on veut pas de toi parce que, bah,
tu fais trop vieux, et puis donc, bah, faut laisser la place aux jeunes, hein. Aïe, donc alors, le meilleur moyen, c'est d'avoir au moins 30 ans, donc là, t'es sûr d'avoir au moins assez d'expérience, ou moins de 45 ans, parce que sinon, au-dessus, t'es trop vieux, et donc, tu sers à rien. Mais pourquoi? Et vous, qu'est-ce qui vous énerve ou que vous trouvez le plus ridicule dans les offres d'emploi? N'hésitez pas à le poster dans les commentaires et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.